Constantinople, la Nouvelle Rome, Istanbul, la ville reine, c'est Byzance, qui par le choix de Constantin Ier devint la nouvelle capitale de l'Empire romain. Son rayonnement accuse aussi l'affrontement de deux civilisations, celle de l'Orient musulman et celle de l'Orient gréco-latin. Le 5 février 1451, succède au sultanat un jeune homme passionné, avide de gloire. Mehmet II, chef de 21 ans, est à la fois mystique et réaliste, érudit, ami des arts et cruel. Il rêve de surpasser son grand-père Bajazet et son père Mourad, qui apprirent à l'Europe la puissance militaire de la nouvelle nation turque. Son premier objectif sera Byzance. La force de Byzance ne réside plus que dans ses remparts. Crénelée, protégée par des fossés, gardée par d'énormes tours rectangulaires, édifiée sur trois rangs parallèles, complétée et restaurée par chaque empereur, cette enceinte majestueuse réalise à cette époque-là le type achevé de la citadelle imprenable. La cour de l'empereur de Byzance. De chaque côté du trône, un lion en or massif frappe le sol de sa queue, ouvre sa gueule, remue la langue, rugit. Le visiteur s'approche, se jette trois fois face contre terre. L'empereur a été élevé dans un tabernacle par une machine invisible presque jusqu'à la voûte et apparaît éblouissant dans ses vêtements sacerdotaux. Le faste et le délire s'accroissent pendant le Saint-Office. 30 fêtes religieuses par mois. L'ancien empire byzantin qui s'étendait de la Perse aux Alpes et jusqu'au désert de l'Asie se traverse à présent aisément en 3 heures de marche. Byzance n'est plus qu'une cité entourant des églises, des palais et un amas de maisons. Pillée par les croisés, décimée par la peste, déchirée par ses querelles théologiques, elle est incapable de se défendre contre un ennemi qui l'enserre depuis longtemps. Tandis que Galata appartient aux Génois, tout le pays situé derrière les murs de la ville est au pouvoir des Turcs. Les navires byzantins pouvaient gagner leur grenier à blé par la mer Noire. Mehmet ferme ce passage en faisant construire Roumélie-Hissar, à l'endroit le plus resserré du canal. Le 5 avril 1453, une immense armée ottomane inonde la plaine de Byzance. Le sultan, magnifiquement vêtu, chevauche à la tête de ses troupes. Son armée tout entière répète dans la même posture et au même rythme la prière qu'il adresse à Allah. Le siège de la ville a commencé. Le principal obstacle, c'est la Corne d'Or. L'accès est interdit par une chaîne au passage le plus étroit. Mehmet conçoit alors une idée stupéfiante d'audace. Dans la nuit du 22 avril, 70 vaisseaux se transportent d'une mer dans l'autre, par monts et par veaux, à travers les vignobles, les champs et les bois. Ce trait de génie a livré au sultan et à son armée toute la Corne d'Or.
Le côté faible de la ville se trouve menacé et le cordon déjà insuffisant des défenseurs encore bien élargi. Pas la moindre voile vénitienne n'est en vue dans la mer Égée. Le pape, Venise, Gênes ont abandonné Byzance. Les assiégés ne se leurrent pas. Ils sont 8000 contre 150 000. Sur l'ordre du Basileus, le peuple tout entier se rassemble pour défiler en procession. On sort des églises les saintes icônes. Partout où une brèche s'ouvre dans les remparts, on accroche l'image d'un saint. Tous ces hommes voués à la mort se réunissent à Sainte-Sophie, alors la plus magnifique cathédrale de l'univers. La messe funèbre de l'Empire d'Orient vient d'être célébrée. Derrière les remparts, un peuple angoissé attend le jour et la mort. Allah, 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 Allah. À 1h du matin, le sultan donne le signal de l'attaque. Au cri de Allah, Allah, il Allah, 100 000 hommes se précipitent contre la muraille de Byzance. Les premiers effectifs de Bachibouzouk, soldats inexpérimentés et fanatisés, vont vers une mort certaine, mais ils fatigueront les assiégés. Quand l'aube commence déjà à blanchir, le sultan est obligé de faire donner sa réserve, les janissaires, la fleur de l'armée ottomane. Plusieurs Turcs ont pénétré par une des poternes de la ville, la Kerka Porta. Des soldats grecs aperçoivent les Turcs et poussent le cri fatal. La ville est prise. Le vainqueur tient son terrible serment, le sac de Byzance. Il n'entre dans la ville conquise que l'après-midi, une fois le carnage terminé. Fier et grave sur son magnifique cheval, devant les scènes féroces du pillage, sans détourner la tête, fidèle à sa promesse de ne pas interrompre dans leur terrible besogne les soldats qui lui ont donné la victoire, il se dirige vers la cathédrale, vers le cœur rayonnant de Byzance. Il tient à remercier Allah avant de lui consacrer définitivement cette église. Le lendemain, on démolit les autels, on badigeonne les pieuses mosaïques et la croix qui dominait Sainte-Sophie s'abat avec un bruit profond. L'Europe s'aperçoit en frémissant que par sa sombre indifférence, une puissance envahissante a fait irruption chez elle. Puissance qui paralysera ses forces pendant des siècles. Années ne rachètent pas une heure de négligence.